Paris. Je dis à cette coupe de tête, boule de caille. Lundi 22 août 2022, c'est où une bonne interview. Dernièrement, dans l'enceinte d'une conférence que nous avons organisée, nous t'ai dit clairement que le lundi 22 août 2022, le pays sera fermé. Toutes les activités généralement quelconques seront paralysées. Et je viens d'alors constater, dans nos manifestations, la même mouvement olympique, et mettre que manifestation arrivée plus bas, immigration manifeste que manifestation au PIBA. Ça veut dire clairement qu'ils sont réussis. Ça veut dire clairement Mounio vient comprendre que l'insécurité, c'est affaire tout peuple haïtien. Kidnapping, c'est affaire tout peuple haïtien. Grand bois, c'est affaire tout peuple haïtien. Massacre, c'est affaire tout peuple haïtien. Et que nous avons grande nécessité pour nous devenir seuls. Jodi a dans quatre manifestations pour nous dire non à l'ingérence que la communauté internationale a exercée en Haïti. En soutenant au pouvoir des criminels, des assassins, des blanchisseurs, des trafiquants de drogue, des trafiquants d'armes, des trafiquants de munitions, comme Michel Joseph Patelli et Ariel Henry. A souligner, jodi a là en Haïti, nous sommes tutelle de mettre nous. Et qui est-ce la communauté internationale a chargé pour gérer tutelle là? Qui est-ce l'ambassade des États-Unis chargée pour gérer tutelle là? Qui est l'ambassade de la France chargée pour gérer tutelle là? Qui est l'ambassade du Canada chargée pour gérer tutelle là? Qui est l'OEA, PINU, chargée pour gérer tutelle? Quand on met les journées comme ça là, c'est la communauté internationale. Et pas la communauté, ce sont les délinquants PHTK. Ariel Henry, Michel Joseph Patelli. Pendant la poursuite, on se met la manifestation. Thank you.
produits à gaz, qui sont produits transversales. Je dis à un groupe qui s'est défenseur de l'Occident, qui s'est défenseur de la bourgeoisie compradole, mettre le pays en otage. Nous entamons une bataille intergénérationnelle qui pour nous battre une autre indépendance tout rouge. Ça veut dire qui ça? Je dis à nous-mêmes, jeunes garçons qui ont 25 ans, 30 ans et même 40 ans, c'est nous qui devons battre pour Haïti que nous rêvons. Je dis à ce n'est pas émigrer nous vers le Chili, vers le pays de l'Amérique latine. Nous garder avec nous qui juste nous à pousser de nous là. Je dis à nous-mêmes comme première république moi indépendant. Le jour qui s'est 22 août là, qui s'est sous l'armement général des esclaves, nous faisons interpellation avec toute conscience jeune garçon pour refouler ma madame, pour envoyer des signaux clairs par l'Occident, pour nous dire nous sommes indépendants, libres, honnêtes, démocratiques. Il y a une bataille massa. Nous-mêmes, je dis, si nous pas d'ailleurs, nous avons grand pile. Nous-mêmes, force pour l'éradication de masse et même coalition qui est ensemble, c'est à lieu. Je dis que nous avons contre la vie chère. Insécurité, ingérence, je dis, Ariel Henry, vous êtes qui a pris 850 dollars. Ariel Henry, vous êtes qui a pris 7 dollars. Ariel Henry, vous êtes qui a pris 7 dollars. Vous êtes qui a pris 7 dollars. Vous êtes qui a Ariel Henry, peuple a dit, vous pas besoin de tête primatique. En tant que chasseur SPN, trois familles mourir là avant un sous pont à bas. Vous pas jamais dit rien. Je dis à nous-mêmes, on est dans la force militaire d'éducation de masse. C'est un plaisir pour nous faire. Pour nous dire, Major Michel, André Michel, Daniel Cassi, Rita Pierre, et ses alliés, je dis à nous, peuple à bouquet, pas de gaz, je dis à la petite, à bien la rue, et bien Jean, la guépio, et nous bouquet, pas capable de prendre. Merci, nous sommes en train de prendre parole, force militaire. Maintenant, est-ce que l'on joue dans la descente dans la situation, ça dit que les calé genoux, abat tout le monde dans ce nous, abat le système pesé sous ce. Merci. Non, c'est José Batelus. Nous
Jamila, Jamila, Jamila.